Bonjour, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 27 juin 2022. Il est 21h35. Bienvenue dans OSINT en compagnie de l'Ininterrompu Léo Portal. Bonjour, bonsoir. Ce soir, nous allons parler de l'actualité brûlante autour du sujet de l'IVG et des conséquences que ça pourrait avoir dans notre ordre politique interne que. Ceux qui me suivent sur Twitter euh, savent déjà un petit peu de quoi je vais parler, ceux qui ne le font pas, je les encourage à me suivre sur Twitter. et de manière générale, euh, je rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne en, en achetant les livres en rejoignant et surtout 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 en mettant des pouces bleus et en partageant ces émissions. Ça me fera plaisir, n'est-ce pas les vous? Ça me fera extrêmement plaisir. Voilà, et ça te fait déjà plaisir que je m'occupe moi-même de faire ces rappels techniques ce soir. J'ai trouvé ça magnifique, mais on peut ouais. dire que le président absolu a dépassé les 3000 exemplaires vendus. Effectivement, on peut le dire, on peut le dire, ça, fait, euh, ça fait plaisir. Euh, merci à tous. Euh, la vidéo chez Berkov a dépassé les 300 000, je ne sais pas si on l'avait annoncé. Je crois que si. Et, euh, et donc tout ceci est bien bel et bon, et tant mieux, bah, espérons que ça continue à se diffuser. Euh, il faudra qu'on mette en place... Euh, <laughs> Ce GoFundMe, quand même, mais euh, ça, on ne l'a toujours pas fait. Parce que Léo a travaillé tout le week-end pour essayer de vous fournir très rapidement HSAV, euh, la réédition d'HSAV qui est bientôt, bientôt finalisée. Euh, Est-ce que tu as une estimation plus précise aujourd'hui, Léo Oui, alors déjà, mais... sans surprise, ma version sera un livre de cuisine, en fait. Mais euh, j'ai quand même pris des parties du texte original, évidemment. Euh, voilà. Mais euh, oui, une estimation. Euh... Au plus tard dans les deux semaines, c'est-à-dire, voilà. c'est-à-dire au plus tard, euh, on va dire qu'on est lundi. C'est marrant parce qu'on est vraiment lundi. Donc au plus tard le lundi, le lundi 11 juillet, euh, voilà. Mais euh, probablement avant. Probablement avant, ce qui vous permettra de l'avoir sur la plage, ce qui fait très plaisir. Je pense qu'il y a de belles pages à lire sur la plage, notamment toutes les... toute la partie. Euh toute la partie sur la, 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 la Grèce archaïque, euh, les mythes grecs etc, je pense que ça doit bien se lire sur la plage j'ai toujours bien aimé lire des trucs euh, relatifs à l'histoire très, très très ancienne sur la plage, je sais pas pourquoi j'ai toujours trouvé que ça collait bien ça fait appel voilà. à ton âme d'explorateur il y a 2000 ans tu aurais été sur ces bateaux voilà, puis comme je, je vais à la Méditerranée moi je, je suis sur les mêmes rivages que, 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 que fréquentaient les, les marins grecs donc ça doit être ça, il doit y avoir une espèce de lien comme ça euh, dernière chose qu'il faut qu'on annonce, euh, la, la grande nouvelle du jour, c'est que Monsieur Léo Portal a eu son permis de conduire, hein, chers amis. C'est vrai. Je pense, pense qu'il mérite que vous l'applaudissiez euh, en silence derrière vos claviers ou pressez F pour euh, tout pay respect. Euh, fait, a... fait, faites beaucoup de bruit. Franchement, on, on a applaudi les infirmières pendant le Covid. Euh, sortez à la fenêtre, applaudissez-moi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, de souci. Tout à fait, tout à fait. Euh... Voilà, bon, pour les petites annonces, histoire de maintenir l'esprit de, de communauté, avant d'aborder de, 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 ce sujet extrêmement glissant qui m'a déjà, euh, déjà valu des colibés, puisque j'ai été accusé euh, d'être... c'est quoi D'être une merde. Ouais. Euh, conservateur chrétien, je ne sais plus ce qu'on dit les gens... Alors que ma position sur le sujet n'est pas, euh, pas du tout idéologique euh, ni religieuse. Euh, mais je vais vous en parler un peu de, de ma position justement parce que euh, je voudrais parler d'abord du sujet de l'avortement en soi. Pas juste de ma position opinion, je voudrais aussi inscrire ça un petit peu dans le, dans le temps long, parce que je pense que c'est intéressant aussi. Et euh, parce que c'est un fait social euh, très, très lourd et sur lequel on n'a peut-être pas toujours le, le recul nécessaire. Et puis, et puis ensuite, on parlera donc des conséquences institutionnelles. Alors effectivement, la, la première chose, euh, donc moi, ma position à propos de, de l'arrêt la, de la, de Roe vs Wade aux États-Unis, qui a, qui a été euh, renversé par, euh, par la, la, la Cour suprême américaine, en fait, ce qui se passait, c'est que, euh, en vertu de l'arrêt Roe vs Wade, la Cour suprême considérait que l'avortement, c'était une question de vie privée, et donc que ça relevait du, euh, du, du, du quatrième amendement. Donc que c'était protégé par le quatrième amendement de la Constitution. Donc ce pas en soi l'avortement qui était protégé par la Constitution, c'était une certaine conception via la vie privée. Et l'arrêt posait comme principe, si j'ai bien tout compris, mais je pense avoir compris, euh, posait comme principe que c'était aux États d'arbitrer entre le droit à la vie privée et le risque pour la société, pour les enfants à naître, etc. Et donc, il posait cette, ce, ce, ce principe-là, mais donc ça, ça imposait aux États de faire le choix, et donc ils ne pouvaient pas faire des choix absolus d'interdiction, ce qui revenait à, à, être, à être contraire à la, à, à l à la, à, au quatrième amendement de protection de la vie privée. Et, euh, et sous cette jurisprudence... Euh, est apparu effectivement aux États-Unis un droit à l'avortement qui est extrêmement extensif par rapport à ce qu'il est en Europe puisque euh, vous avez cette carte que Léo peut peut-être afficher peut-être la retrouver elle était sous mon quelqu'un l'avait repartagée sous mon euh, sous, sous mon euh, sous mon tweet euh, le, le droit à l'avortement était en tout cas considérablement plus étendu aux États-Unis qu'en Europe c'est-à-dire qu'aux États-Unis, sur la plupart du territoire américain, le droit à l'avortement était aussi étendu que dans le pays où il est le plus étendu d'Europe, c'est-à-dire la Hollande. Et je crois encore que même en Hollande, on le met dans la même catégorie, mais que les délais sont quand même un petit peu inférieurs. Donc aux États-Unis, ça pouvait aller très très loin, et donc vous aviez la majorité des États-Unis où l'avortement était autorisé jusqu'à six mois. Et bon, les méthodes d'avortement, euh, un certain stade de stade de développement fœtal, ça implique des trucs absolument horribles avec des solutions salines qui brûlent le, le, le fœtus. Ensuite, on le découpe. Enfin, fait, c'est du découpage de, de fœtus, de fœtus qui est déjà qui commence déjà à ressembler à un bébé, quoi. Donc, c'est quand même, on est plus sur, on n'est pas sur un amas de cellules. Là. Euh, et donc, euh, donc, en soi, c'est assez, euh, c'est quelque chose qui apparaît comme effectivement assez barbare. C'est bon, je te l'ai affiché la carte. Voilà, donc vous voyez, le, 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 on, on est, quand on explique que les États-Unis sont dans une régression terrible de 50 ans, etc., ce matin j'ai entendu Thierry Breton expliquer à France Info que euh, l'Europe s'affirmait de plus en plus comme le dernier bastion de la démocratie. Euh, vu qu'en gros les États-Unis n'étaient plus une démocratie parce qu'ils avaient fait ça. Quoi. Alors que je veux dire, c'est do... enfin, honteux. Ça. Ce type qui n'y comprend absolument rien euh, en, en droit, euh, en hiérarchie des normes et, et, en, et en, en séparation des pouvoirs aux États-Unis euh, passe son temps à vous expliquer qu'il veut, qu veut censurer Twitter. C'est absolument, absolument invraisemblable. Moi, je suis consterné par ça. Et donc, euh, euh, donc voilà. Donc, il faut bien se rendre compte que, euh, en, en gros, ce qui va se passer avec le, le, le avec l'abolition de, de Roe versus Wade, avec le, le, le c'est, euh, c'est tout simplement que probablement les, le droit à l'avortement aux États-Unis va converger avec ce qu'il est en Europe. C'est-à-dire, vous aurez quelques États qui l'interdisent totalement, et vous aurez la plupart des États qui l'autorisent, mais peut-être dans des conditions euh, un petit peu plus restrictives que ce n'était actuellement, mais qui seront l'équivalent des standards européens. Donc, euh, sauf à nous considérer nous-mêmes comme des, des terribles barbares arriérés, ça, ça, une grande partie de ces de ces euh, de ces critiques n'ont en absolument aucun sens si on regarde simplement la façon dont, dont fonctionnent les choses. Bon. Moi, je ne suis pas un grand fanat de l'avortement, dans le sens où, donc ce que je disais, je, je pense que c'est quelque chose qui, bon, à partir d'un certain stade, est particulièrement barbare, euh, en raison de ce qu'on fait subir un fœtus, encore en une fois, qui commence à ressembler à un enfant. Euh, c'est sûr que plus vous vous rapprochez de la date de la conception, moins c'est vrai, puisque moins ça ressemble à un enfant physiquement. Euh, même si, bon, chez nous, c'est autorisé jusqu'à... Euh, 12 semaines, il était question de le faire passer à 14 ils l'ont fait ou pas, je ne sais même plus euh, euh, bon en réalité ce qui se passe c'est que ça ressemble déjà en hein, tout petit mais ça ressemble déjà à un bébé à ce stade là et surtout euh, c'est euh, le cœur. vous l'entendez battre dès 8 semaines hein, si, vous, si, vous avez, si vous êtes enceinte ou que votre femme est enceinte vous, on, on vous le fait écouter à cet âge là donc. Elle, a été, elle a été promulguée début mars voilà, c'est ça. Donc le cœur qui bat, ça existe déjà à ce moment-là. Donc euh, moi j'ai effectivement une hostilité de principe avec euh, l'avortement parce que je pense que euh, c'est une chose qui est euh, qui, qui, qui relève de la destruction d de ce qui est malgré tout une vie différente de la mère, puisque c'est un ADN original. À partir du moment où vous avez un ADN original qui apparaît, vous avez effectivement la promesse d'une personne. Mais je comprends que des choses ne pensent pas comme, comme moi. À la limite, ce n'est pas le problème. Ce que je trouve surtout euh, choquant dans nos sociétés modernes, c'est le fait qu'en France, par exemple, vous avez euh, 220 000 avortements par an, 200 ou 220, pour 750 000 naissances. Ça veut dire que vous avez un quart des grossesses, en fait, qui partent, qui sont avortés, et euh, même sans juger du, du, du pourquoi, du comment euh, c'est fait, euh, moi je trouve ça extrêmement choquant dans une société où finalement la contraception est plus efficace, plus variée, plus efficace et euh, plus disponible qu'elle ne l'a jamais été dans la totalité de l'histoire de l'humanité. Donc pour moi, euh, il y a quand même un, un des gros problèmes de, de, de l'avortement, c'est le fait qu'il soit à des niveaux aussi hauts quand on sait à quel point il est possible et facile d'empêcher les grossesses d'advenir avant. Euh, donc moi, je continue à penser que les sociétés modernes ont un, euh, ont un problème à ce niveau-là, euh, soit un problème encore d'information des gens. Sur les moyens de contraception. Euh, parce que je ne pense pas que ce soit un problème de disponibilité. Enfin, je veux dire, c'est tellement euh, facile de trouver des préservatifs, des pilules. Si vous voulez pas d'enfant, il suffit de faire préservatif plus pilule. Enfin, je veux dire, tout ça est possible. Donc, le problème de, de l'avortement, pour moi, euh, c'est surtout un problème d'irresponsabilité collective. Il y a un choix d'irresponsabilité là-dedans. C'est-à-dire, le, le fait d'avoir les moyens de prévoir quelque chose. Sans faire de mal à personne, hein. les gens ont le droit de faire de la contraception, il n'y a pas de problème. Mais de ne pas le faire malgré tout, alors que derrière vous allez faire un acte qui euh, a une gravité qui est de toute façon supérieure. Encore une fois, éliminer un, un nouveau code ADN que vous avez, qui est apparu, Et plus encore si vous laissez la, la chose se, se développer. Donc moi, c'est ça, si vous voulez, qui me pose problème euh, d'un point de vue euh, humaniste. Euh, c'est le fait que d'un certain côté, on considère ces nouvelles vies comme si peu importantes qu'elles ne mériteraient pas qu'on fasse un effort absolument drastique en amont pour ne pas avoir tout ça. Je veux dire, il y aurait 5 ou 10 000 avortements euh, par, euh, par an euh, on pourrait considérer, en France, dans une, un pays comme la France, on pourrait considérer que c'est le, le, le rés pur résultat des ratés de la contraception, éventuellement. Euh, à partir du moment où ça touche un quart des grossesses, ça me paraît, ça me paraît quand même en, assez énorme. Comme, euh, et donc voilà pourquoi moi j'ai cette hostilité pour euh, pour l'avortement. Je pense que c'est euh, quelque chose qui est indigne d'une société civilisée. Quand on a les moyens d'avoir la contraception qu'on a, les moyens de contraception qu'on a développés, euh, c'est indigne qu'on ait un, un résultat final qui euh, qui soit comme ça et que l'avortement lui-même finalement euh, euh, soit mis un petit peu et ait l'air d'être un moyen extensif de contraception. Euh, euh, pas, pas seulement quand le reste n'a pas marché, mais aussi quand on n'a on, on, on pas fait gaffe avec le reste. Donc ça, effectivement, je trouve que ce n'est pas, euh, pas à la hauteur du niveau de civilisation qu'on prétend atteindre. Partiment, on est une société qui estime qu'il euh, fallait abolir la peine de mort parce que c'était inhumain, euh, par respect de la vie. Euh, à partir du moment où on estime qu'on est une société où on a assez râlé contre ça, il faut faire tous les efforts qu'on a fait pour une pandémie qui est quand même assez faiblarde par rapport à ce qu'il y a pu y avoir comme pandémie dans l'histoire, euh, y compris la grippe espagnole. Euh, eh bien, euh, il me semble qu'il y a là un décalage qui est effectivement euh, problématique et, euh, et qui tient d'une vision quand on voit les débats tels qu'ils sont présentés dans les médias ou tels que les gens s'expriment, d'un débat mal placé à propos de liberté, de droit de la femme. Je crois que c'est quelque chose qui va très au-delà de ça. Parce que bon, c'est un petit peu, vous savez, moi j'ai toujours ce truc-là, j'en parle souvent parce que c'est vraiment une moisissure argumentative qu'il faut repérer. Le fait qu'on vous prenne toujours le petit cas pour cacher tout l'ensemble derrière, hein, le fameux la défense de la propriété pour protéger le grand capital, je l'avais fait, la défense des petites retraites pour protéger les grosses retraites qui se gavent, et euh, le, le, le focus mis sur les cas d'inceste, de viol et de, et de mise en danger de la mer, alors qu'on sait que 90% euh, des avortements ne sont absolument pas motivés par ça, et donc ce sont juste des avortements qui ont lieu pour d'autres raisons. Alors l'expression avort, le, « avortement de confort » n'est sans doute pas très heureuse euh, puisque c'est euh, probablement pas une opération confortable en soi, mais euh, voilà pour moi c'est un débat de société qui va beaucoup plus loin que euh, que la simple question de oui ou non. Je veux dire c'est quelque chose qu'il faut prendre dans son ensemble, euh, qu'il faut prendre aussi du point de vue de la question euh, de la législation sociale, parce que il y a aussi le fait que quand vous interdisez euh, d'avorter, notamment pour des raisons économiques, parce qu'effectivement, il y a des femmes qui, qui avortent pour cette raison-là, parce que ça les mettrait dans des difficultés pour une raison ou pour une autre, euh, c'est évidemment un choix qui sera fait plus facilement dans une société qui n'apporte aucune assistance euh, euh, publique aux, aux femmes enceintes, aux familles monoparentales, etc., que dans les sociétés où, où c'est le cas. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut aborder ensemble et que généralement on n'aborde pas parce que ça semble être devenu une espèce de névrose euh, de liberté individuelle et, et un résidu de, de, comme un certain nombre d'autres choses, de volonté d'être absolument, euh, absolument libre. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et c'est là que, que je voulais en venir sur cette question. Parce que le problème avec la question de l'avortement... C'est qu'en réalité, souvent, on aborde ça comme si c'était quelque chose de tout à fait nouveau et apparu avec la modernité. Alors l'avortement lui-même, sans doute, dans ces proportions-là, puisque c'est en grande partie permis par les progrès de la science. Parce qu'avant, bon, effectivement, il y avait, vous savez, la fameuse histoire des, des cintres, des aiguilles à tricoter, etc., euh, qui était pratiquée par les avorteuses. Et d'ailleurs, une des raisons avec lesquelles on a fait passer l'idée d'avortement euh, à la base, c'était pour éviter que les femmes ne recourent à ce genre de truc qui les, euh, qui leur faisait beaucoup de mal, euh, qui était dangereux, qui les, mettait leur vie en danger, etc. Parce que c'est effectivement dangereux de se faire enfoncer une aiguille dans le, dans le, dans le ventre dans des conditions médicales. Euh, mais il faut bien se rendre compte qu'il euh, y a une problématique de, de très longue durée sur les populations et sur le problème des naissances, sur la démographie, et que d'une certaine manière, l'avortement, et je pense que finalement c'est la seule chose qui peut l'expliquer, le fait qu'il y ait ce nombre d'avortements, je disais, à peu près un quart des naissances, euh, Aujourd'hui, vu que ça s'explique, enfin, pour moi ça s'explique pas par des raisons logiques. Enfin, peut-être que peut-être qu'elles existent et que je ne les connais pas. Je serais ravi de les apprendre, mais pour moi ça s'explique pas par l'échec encore une fois de la contraception. Ces choses-là. J'aime l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond, en particulier parce que ça répond en fait à une permanence euh, sociale, euh, anthropologique, euh, puisque en fait, avec ces avortements, ces hauts niveaux d'avortement, hein, qui étaient inédits, je veux dire, à l'époque, vous n'aviez pas 200 000 personnes qui se faisaient avorter, 200 mille femmes qui se faisaient avorter à l'aiguille à tricoter, ce n'est pas vrai. Donc, euh, donc l'avortement, ça, ça a ouvert l'accès à l'avortement à tout un tas de femmes qui n'étaient pas prêtes à risquer leur vie pour, pour ça. Euh, donc, en fait, simplement avec cette ouverture-là, on est revenu à des niveaux d'élimination de, finalement des, des enfants à naître ou des, ou, des, ou, des, ou des jeunes enfants si vous assimilez tout, c'est-à-dire d'élimination du surplus de population qui devait arriver, qui est en fait à des niveaux comparables à ce qu'étaient euh, les, euh, les, les morts d'enfants euh, avant la modernité. Ou, Enfin, la modernité, non, parce que la modernité, l'État moderne, ça commence avec euh, la fin du XVe siècle. Mais enfin, avant la modernité, euh, post-industrielle, si vous voulez, de, 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 du XXe siècle. On retrouve des morts de cette époque-là, et on retrouve une, 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 une évacuation donc des, des, des enfants non désirés pour des raisons de commodité par ce biais-là qui existait avant, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que euh, souvent, vous avez, en particulier dans le camp des, des anti-avortements, vous avez cette, cette idée-là que finalement, l'avortement de masse, c'est une espèce d'invention euh, satanique de la modernité. Euh, Contre la population. Alors certains pensent que c'est un complot antiracial contre les blancs. Euh, D'autres pensent que euh, c'est euh, c'est un euh, une, une volonté euh, malthusienne de de, 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 de de détruire nos populations, de les stériliser. Ça fait partie souvent des théories du complot. Beaucoup on a pensé qu'avec les vaccins aussi c'était ça qu'il y avait une volonté de, de dépeupler. Là. Bon euh, bon tout, tout ça euh, tout ça vient du fait selon moi que pour beaucoup de gens, en fait, on, aurait, on serait face à quelque chose d'inédit, en fait, avec ces éliminations d'enfants à ces hauteurs-là, euh, dans cette proportion-là, aujourd'hui. En gros, ça serait depuis 50 ans, et ça se rattacherait à la libération sexuelle, etc. Bon. Euh, en réalité, donc, ce que je dis, c'est que, pour moi, c'est faux. Pour moi, il faut mettre ça en lien avec ce qu'étaient les sociétés euh, avant et ce que ça représentait comme coût humain. Et, je, et notamment, ce qui me fait penser ça, c'est que j'ai euh, des lectures hein, qui me sont revenues en tête et que, euh, et que je voulais partager avec vous euh, parce que c'est extrêmement intéressant. Je pense que je, je vais vous lire en, euh, je vais en lire une grande partie. Alors, ça vient de ce bouquin, qui est un bouquin remarquable d'Emmanuel Leroy Ladurie. Alors, ça ne se, ça, il est plus édité, hein, c'est un bouquin qui date de 1983, mais vous devez le trouver en, euh, chez Bookiniste ou en ligne. Hein. Moi, je l'avais acheté comme ça d'occasion, mais j'avais vu un copain qui disait qu'il le lisait, c'est vachement intéressant. Alors, je vous conseille, pour briller dans les dîners, c'est un bouquin extraordinaire, parce que euh, c'est une. Euh, à chaque fois, c'est en une ou deux pages. Emmanuel Leroy-Ladurie, qui est un historien extraordinaire, un fan de Leroy-Ladurie, euh, Leroy-Ladurie faisait des, en fait pendant des années euh, faisait des, des, des recensions d'ouvrages de, d'historiens, euh, souvent d'historiens, démographes, etc., sur la vie euh, quotidienne en France. Mais il y a tout un tas de, de, de sujets qui sont abordés. Il y a les mœurs, il y a l'Église, il y a la monnaie, il y a les régions, etc. Euh, et donc, vous apprenez beaucoup sur la vie quotidienne euh, des gens dans le, dans le passé. Et c'est un livre qui est tout à fait intéressant euh, pour ça. Et donc, euh, dans le cadre de ces trucs-là, euh, il avait fait une recension d'un livre d'Elisabeth Badinter, euh, que j'ai pas lu, mais, mais sa recension est... est, est permet d'en saisir la, la, substantif la substantifique moelle, euh, donc dû, euh, de, euh, euh, qui était parue en 1980. Et alors voilà ce qu'il qu raconte. Donc euh, Elisabeth Badinter, en fait, le, la thèse de son livre, c'est que l'idée de l'instinct maternel, l'idée des femmes qui s'occupent vraiment des, de leurs enfants, était une espèce de parenthèse, euh, en gros, euh, 19e, 20e siècle, ou plutôt 18e, 20e siècle. Euh, qu'avant ce n'était pas le cas euh, que les, les femmes souvent s'en foutaient des enfants en bas âge euh, et que euh, elles ont recommencé en gros à s'en moquer assez largement euh, à partir du XXe siècle et, euh, et donc ce qu'expliquait Elisabeth Badinter dans ce bouquin c'est que en gros elles, elles se désolaient un peu de ce, de cette, de ce côté un peu navrant de l'histoire de, de euh, cet amour maternel en fait, qui était euh, à ma géométrie variable et qui, qui qui, qui, qui évolue dans le temps. Et alors, en particulier, et c'est intéressant parce que, du coup, pour faire ce livre et pour faire sa démonstration, elle avait fait, euh, alors sans savoir si la démonstration était juste, hein, moi ce qui m'intéresse, c'est le travail d'historien, puisqu'Emmanuel Leroy d'Adurie euh, le, juge ça, et, et, et il note qu'elle a fait un, un bon travail sur un certain nombre de points, ou qu'elle s'est appuyée sur d'autres travaux, mais ça fait une bonne synthèse, alors voilà ce que je, peux, ce que je vais vous lire. Euh et donc, il parle du système des nourrices. Vous savez, le fait de le confier ses enfants. Alors, souvent, on a l'idée de la nourrice, c'est la nourrice gentille qui est à côté, là, à qui on, on colle son, son gamin, celle qui le nourrit parce que la mère a passé assez de lait, etc. Ce pas ça le système des nourrices. Et donc, il explique le système des nourrices. Et je vous laisse écouter ça. Dans la région parisienne, donc je vous le lis, dans la région parisienne, par exemple, à partir des années 1660. Et semblablement dans la zone lyonnaise, la grande majorité des mères de famille, nobles, bourgeoises, mais aussi petites bourgeoises et femmes d'artisans, prennent l'habitude de confier les marmots à des mamelles salariées. Le XVIIIe et le 19e siècle verront se confirmer de telles pratiques. Ces transferts de petits-enfants s'effectuent dans des conditions déplorables. Les recommanderesses, qui travaillent comme intermédiaires entre l'offre et la demande, jouent les maquerelles de l'allaitement mercenaire. Elle se charge, moyennant finance, de prendre le bébé parisien à la mère de sang, qui bien sûr accepte le marché. Elle le livre très loin de là, à quelques nourrices anonymes et souvent malsaines. Elle est sise en un village qui peut être distant de dizaines de kilomètres de la capitale. Le petit colis vivant, en cours de route, peut périr, à la suite d'une chute sous les roues de la charrette qui le transporte, ou bien il peut geler à mort dans la haute surpeuplée du piéton porteur qui s'est chargé de le convoyer avec deux ou trois autres nourrissons jusqu'à la paroisse de destination finale. Arrivé enfin à bon port, le malheureux nouveau-né ne se retrouve guère mieux loti. Au XVIIIe siècle, la mortalité infantile, avant l'âge d'un an, est de 16%, un enfant sur six. Chez les petits qui têtent le lait de leur la mère, mais elle monte à 25%, un bébé sur quatre, ou même davantage chez les nourrissons du sein tarifé. Alors je, je... Ben je, je vais tout vous lire, comme ça, ça sera, ça sera plus clair pour vous. Elisabeth Badinter n'hésite point à parler d'infanticide objectif à propos des mères qui se déchargeaient ainsi sur d'autres femmes du soin d'allaiter leurs petits. Il ne s'agit pas pourtant d'infanticide volontaire. La mortalité infantile énorme sous l'Ancien Régime était du même niveau pour les derniers-nés et pour les premiers-nés. S'il y avait eu volonté parentale de tuer des jeunes êtres, les derniers-nés. Qui sont souvent les moins désirés, auraient péri au plus fort pourcentage dans leur propre catégorie par rapport aux aînés. Il demeure que les parents, en l'occurrence, se comportaient avec une sorte de légèreté criminelle. Les nourrices rurales gagnaient un peu d'argent en se chargeant de plusieurs bébés successifs, dont beaucoup mouraient les uns après les autres. Elles édifiaient ensuite, grâce à leurs économies, les fameuses maisons de lait qui sont l'orgueil de nos villages bourguignons. Alors, ça, je n'ai pas vérifié de quoi il parle, je suppose, c'est une curiosité architecturale locale. Je reprends. On s'interroge sur la motivation de ces femmes qu'on qualifierait volontiers de mères indignes. Dans certains cas, les précieuses au XVIIe siècle, elles faisaient preuve d'une volonté paradoxale d'émancipation féminine. Celle-ci se réalisait alors aux dépens des enfants ils étaient sacrifiés aux occupations mondaines et culturelles des mères, avec la complicité plus ou moins grognonne des maris. Ceux-ci acceptaient de voir leurs épouses déchargées de la tâche maternelle, elles pouvaient d'autant mieux tenir un salon. Mais comment rendre compte des mobiles qui faisaient agir au XVIIIe siècle les ouvrières en soi dans les villes de Lyon Elles n'avaient rien à voir avec les belles dames des hôtels particuliers de Paris, et pourtant, les bébés du prolétariat lyonnais, eux aussi, filaient vers les meurtrières poitrines des nourrices non maternelles dans les montagnettes reculées du Rat ou du Beaujolais. L'explication de ce comportement bizarre est toute simple. Les ouvrières en soi calculaient, comme des personnages de Max Weber. Elles trouvaient avantageux de se débarrasser, au moins momentanément, du fruit de leurs entrailles. De nos jours, avec l'avortement, pas tellement plus glorieux, c'est définitif. Elles pouvaient ainsi se consacrer plus aisément au tissage de la soie qu'elles pratiquaient aux côtés de leurs époux. L'argent qu'elles gagnaient par ce travail textile leur laissait un modeste profit, une fois payé le bas salaire des nourrices rurales qui, à 100 km de là, prenaient soin entre guillemets, des, canuts, des enfants des canuts lyonnais. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous lire. Pour vous donner une idée de ce qu'était le sort des petits-enfants, et surtout de la, cette proportion qui ne vous aura pas échappé 25% des enfants envoyés chez les nourrices mouraient. Et on retrouve la proportion de ce que l'avortement tue aujourd'hui, euh, très exactement, euh, dans un pays comme la France. Pour des raisons qui sont similaires, c'est-à-dire que les femmes euh, de la bourgeoisie, on va dire, trouvent de la commodité dans le fait de se débarrasser des enfants pour mener leur vie mondaine professionnelles et bourgeoises et les ouvrières elles c'est parce que c'est trop ça serait trop compliqué d'en avoir une plus ou d'en avoir un ou que c'est trop tôt etc donc les mêmes motivations donnaient lieu aux mêmes conséquences simplement en passant par un moyen qui était différent et qui était peut-être euh, qui semblait moins volontaire encore que la, la culpabilité était pareillement euh, pareillement euh, étouffé euh, hier avec l'idée que c'était toujours un peu accidentel, hein, euh, et euh, aujourd'hui avec l'idée que ben, c'est qu'un amas de cellules. Euh, mais finalement, le résultat est le même, euh, c'est-à-dire que vous avez le, le même phénomène, vous avez le même tri dans la population, les mêmes parts de la population qui trient de la même manière leurs enfants pour les mêmes raisons. Et donc, euh, ça veut dire quoi ça euh, ça veut dire que l'avortement n'est pas un problème. C'est pas un problème d'avortement en soi, euh, purement simplement. C'est pas un problème de ça. C'est euh, ce problème. Euh, C'est ça va au-delà de ça. C'est un problème euh, social de euh, planification familiale, de gestion quotidienne, de volonté des femmes d'être des mères ou pas. Et c'est donc en fait la, la résurgence pendant la deuxième moitié du XXe siècle, euh, mais en fait donc, il n'y aura eu qu'une petite parenthèse de, de 50 ou 100 ans entre la fin du XIXe et le début du XXe, et encore hein, probablement plus toute fin du XIXe et début du XXe, où on se sera un petit peu plus occupé des, des enfants, encore que, encore que, puisque ça correspond à la période où euh, il y a eu beaucoup moins d'enfants, notamment à cause des classes creuses de la Grande Guerre. Donc, euh, il n'est pas impossible que ce soit simplement un artefact historique, en fait, cette impression qu'à un moment, ça a disparu. Donc, l'idée, c'est là que je veux en venir, c'est qu'il faut identifier le problème racine comme une sorte de permanence du corps social, c'est-à-dire que ça existe, vous avez une partie de la population qui se débarrassera toujours d'une partie de ses enfants pour tout un tas de raisons qui sont détaillées mais qui sont semble-t-il liées à ça euh, société civilisée qui, euh, qui chérit qui estiment la vie, ou qui l'achigeraient, ça peut être pour des raisons différentes, ça peut être jadis, parce que, comme il y avait beaucoup de gens qui mouraient, on savait qu'il ben, ne fallait pas en plus les tuer, parce que sinon, on allait se dépeupler. Euh, Aujourd'hui, c'est parce que c'est plus, effectivement, la vie en tant que telle, on fait moins d'enfants, mais on s'en occupe plus. Euh, ce qui, au XVIIIe siècle, était une... D'ailleurs, j'ai un autre petit extrait là-dessus. Ce qui, au XVIIIe siècle, était une préoccupation de l'Église, hein, de, 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 de faire attention à la façon dont on se. Voilà, c'est là. C'est sur notre bouquin, où le, le roi, euh, roi La note ça. Euh, les devoirs envers les enfants, de plus en plus soulignés par l'Église, puis par la morale laïque, incitent les parents à engendrer une progéniture moins nombreuse mais mieux élevée, plus honnêtement éduquée qu'autrefois. L'abominable système de la mise en nourrice, qui par centaines de milliers tuait les bébés confiés aux au mamelles mercenaires, se heurte enfin vers 1770 à la sensibilité nouvelle qu'ont forgé les écrivains, puisque c'est notamment Rousseau qui appelait les mères à s'occuper de leurs enfants. Bon, lui, il avait abandonné les siens, mais euh, ça n'empêche pas d'avoir des bonnes idées. Donc, euh, euh, donc l'Église n'avait pas dit aux gens faites moins d'enfants, l'Église a toujours dit aux gens faites des enfants, mais comme l'Église leur disait aussi éduquez les bien, faites-y attention, occupez-vous-en, bah, du coup, les gens avaient tendance à en faire moins pour pouvoir euh, les éduquer euh, correctement et leur consacrer du temps. Et donc, là, là, ce qu'on a vécu récemment avec la baisse de la natalité, mais aussi un soin apporter aux enfants à faire des études et tout, quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus profond, si vous voulez, comme, comme, comme phénomène. Euh, donc tout ça pour dire que, pour moi, l'avortement, euh, jadis l'infanticide plus ou moins volontaire, objectif, comme disait euh, Elisabeth Badinter, euh, c'est en fait comme la, pro la prostitution. C'est-à-dire c'est un problème qui fait partie des sociétés, qui existe toujours et qui nécessite une forme de compromis politique. Euh, et ça, je veux dire, pour le coup, euh, les, les, les philosophes politiques le savent depuis toujours, et notamment les philosophes politiques chrétiens, pour le coup, hein, puisqu'on m'accuse d'être un chrétien conservateur, euh, autant en parler, euh, c'est constant de Saint-Augustin jusqu'à Saint-Thomas d'Aquin. Euh, il ne faut pas essayer de faire cesser un comportement néfaste si le trouble que vous risquez de causer est supérieur au comportement lui-même. Et c'est à ce motif-là que ces philosophes chrétiens, et donc notamment ces deux piliers, on va dire, de, de l'Église catholique, ont toujours dit qu'il fallait pas interdire la prostitution. Parce que si vous interdisez la prostitution, c'est euh, le bordel, ça, la, ça, dégénère, ça dérègle les mœurs, etc. Donc ce que, ce que disait saint Thomas d'Aquin, c'est que c'est comme les latrines. Euh, il faut bien qu'il quelque part il ne faut juste pas les mettre en milieu de la cour. Donc, euh, mettre les prostituées dans les faubourgs, euh, ça allait bien. Et voilà, il faut se rendre compte ce que c'était la société parisienne, par exemple, au XVIIIe siècle. Là aussi, j'aurais pu vous citer un extrait, je l'ai relu tout à l'heure, d'Emmanuel Leroy ladurie qui l'explique. Euh, au XVIIIe siècle, sous les XIV, à Paris, 500 000 habitants, 30 000 prostituées. Vous venez dire que vous aviez plus d'une femme sur dix qui s'adonnait à la prostitution. Donc il y, y a eu des, si vous voulez, penser qu'aujourd'hui on vit dans un mort et que c'était mieux avant, c'est pas c'est pas non plus forcément euh, forcément exact à, à, à tous les points de vue. Euh, mais donc l'idée c'est que euh, voilà, en fait le truc c'est que même si on trouve ça moche, même si on trouve que euh, la prostitution euh, c'est dégradant, euh, que c'est euh, que c'est de l'exploitation, etc. Euh, même si euh, si on trouve que l'avortement c'est quelque chose d'innocent dans les deux cas, l'interdiction n'est pas forcément la bonne solution. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de féministes, super féministes aujourd'hui, qui sont à la fois pour l'autorisation absolue de l'avortement et pour l'interdiction totale de la prostitution. C'est-à-dire qu'ils sont dans, dans le, le truc euh, euh, qui est, qui est une, une, une déviance aussi absurde parce qu'elles parce qu comprennent pas qu'en qu en fait, les deux, euh, les, les deux relèvent du même problème. Donc, en ce qui me concerne, en, au, au plan moral, effectivement, j'ai une aversion pour euh, pour l'avortement je pense que politiquement politiquement finalement ce qu'on fait les, les états européens euh, ce qu'on a vu là c'est une espèce de alors qui peut se discuter à la marge hein. à mon avis c'est discutable encore à la marge mais euh, c'est une sorte de compromis entre ce qui est moralement souhaitable et ce qui est politiquement faisable c'est à dire que si vous interdisiez demain en france l'avortement tout ce que vous obtiendrez dix ans après, c'est l'avortement jusqu'à neuf mois. Parce qu'en raison du scandale que ça ferait, en raison de tous les cas de mères qui mourraient euh, en se faisant à euh, ça ferait un effet de balancier inverse. Donc ce qui a été mis en place, c'est une espèce de compromis comme ça, qui fait qu'on retombe, il n'y a pas de quoi s'en féliciter, mais bon, ça, on retombe, sur, c est, c est, visiblement c'est un trait des sociétés humaines, on retombe sur le même taux de perte. Euh, ou d'élimination euh, que ce qu'il y avait sous, euh, enfin, sous tout l'Ancien Régime, parce que ce qui est observé au XVIIIe siècle, vraisemblablement, c'était un système qui était en vigueur depuis le Moyen-Âge, euh, avec probablement des, 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 des phases de flux et reflux légèrement, mais. Qui bouge à la marge et donc avec euh, avec ce, ce, ce type de vous aviez d'autres trucs euh, vous aviez par exemple on a des traces euh, à la renaissance j'ai cherché l'extrait c'est aussi dans ce bouquin que je l'avais trouvé qui est vraiment remarquable euh, mais je ne l'ai pas trouvé parce que j'ai fait vite fait là en rentrant du boulot donc euh, excusez moi euh, où euh, le roi de la durée rappelle que euh, on, a, on, a, on a des témoignages de, 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 de sermons de prêtres euh, qui exhortaient enfin, On sait que les prêtres exhortaient régulièrement, faisaient de l'éducation, si vous voulez. Euh... Euh, familiale en disant aux parents pendant l'occasion de leur sermon euh, euh, ne dormez pas avec les enfants dans le lit quand ils sont bébés et nourrissons vous risquez de leur rouler dessus de les étouffer etc. Alors c'est difficile de faire la part parce que pour une partie les gens étaient quand même enfin, quand on voit encore aujourd'hui la difficulté qu'il y a à faire comprendre la contraception à certaines franges de la population à l'époque ça ne pas être très brillant non plus hein, dans, les, dans, les, euh, dans les campagnes euh, auprès d'une population euh, euh, largement euh, euh, illettrée mais enfin c'était des gens qui savaient quand même comment la vie fonctionnait, c'était des agriculteurs, ils s'occupaient des bêtes, ils n'étaient pas idiots non plus. Donc la réalité qu'on peut penser, c'est que souvent, ils, ils admettaient en dormant avec leurs enfants le risque qu'ils finissent étouffés, parce que peut-être que ben, ça en faisait de moins à nourrir. Vous voyez Ce genre. Donc, euh, Par d'autres moyens que cette histoire des nourrices, c'est-à-dire même au moment où vous aviez moins de population en ville qui envoyait, qui avait besoin de faire un système de nourrice, vous aviez dans la population paysanne, Également des moyens d'élimination des, euh, des enfants. Donc, c'est véritablement pour moi une. une... C'est comme ça qu'il faut apprendre le problème et, et comprendre. Et je pense que c'est aussi le meilleur moyen, parce qu'il y a toujours mon souci, de sortir de la pure passion morale, dans un sens ou dans l'autre, qui, au plan politique, n'est jamais forcément bonne conseillère, parce que la passion morale tend à rechercher des solutions absolues, dans un sens ou dans l'autre. Et, euh, et je trouve ça de manière générale assez euh, néfaste. Voilà pour la question de la question de fond. Maintenant, venons-en à, à quelque chose de plus réjouissant, qui est euh, l'effet de cette euh, stupide polémique sur notre ordre euh, politique interne, puisque vous avez dû entendre que euh, Aurore Berger, l'inénarrable Aurore Berger. Euh, avait euh, fait une proposition de loi pour faire rentrer ce truc dans la constitution, mais ce n'est vraisemblablement pas. Euh, alors déjà, on aimerait savoir pourquoi tout d'un coup, parce que ce n'est plus dans la constitution. La constitution aux États-Unis ne protège plus euh, le droit à l'avortement, sachant qu'en France elle ne l'a jamais protégé. Euh, donc peut-être qu'ils ont réalisé que c'était idiot d'être offusqué que, euh, que simplement sur ce point-là au plan. Purement juridique, la, la, les États-Unis reviennent à un niveau plus proche de ce qui se passe en Europe. Euh, mais bon, ça, il ne faut pas leur demander de trop réfléchir. Donc, ils ont décidé qu'il fallait mettre ça dans la Constitution parce que c'est horrible. Ils ont peur qu'on leur enlève leur droit à l'avortement. Très bien. Euh, et donc, elle a fait une proposition, proposition de loi. Et alors, c'est là que ça devient intéressant. Parce que ce que j'ai dit, c'est euh, moi, réforme constitutionnelle, vous savez, tout d'un coup, j'ai ma petite lumière qui s'allume dans le cerveau et je dis ah, réforme constitutionnelle. Possible réunion d'un congrès au pouvoir constituant, si vous me rajoutez des émeutes, je suis content, j'ai le début de ma révolution. Euh, surtout dans un contexte de ruine, puisque euh, euh, Bruno Le Maire a dit tout à l'heure que nous arrivions euh, au seuil d'alerte économique, puisque désormais on emprunte à 2% au lieu d'emprunter à taux négatif. Donc, donc toutes les conditions sont réunies. Vous savez, perte de légitimité, euh, ruine financière, derrière mettez-moi un pouvoir constituant, émeute et bingo. Euh, donc ça m'intéressait tout de suite. Alors, euh, surtout que à la base, ça, on pouvait penser que c'était une idée comme ça balancée, mais ça a l'air de s'installer comme débat. Les gens en parlent beaucoup depuis, et surtout que qu'Elisabeth euh, Borne a apporté son soutien à la proposition. Alors, c'est intéressant, parce que, encore une fois, euh, si, si, moi je trouve ça assez jouissif. Que, si, si, parce que, si vous voulez. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que bon, ça commencerait comme ça, la révolution. Mais là, avec, le, avec ce Parlement un peu bizarre, ai, d'ailleurs, je m'en étais ouvert récemment avec vous, euh, avec ce Parlement euh, où Macron n'a pas la majorité, je ne voyais pas trop qu'est-ce qui pourrait le pousser à tenter une réforme constitutionnelle avec un Parlement euh, minoritaire. Et. Et je trouve ça rigolo parce que, du coup, quelque part, c'est l'histoire nécessaire qui cherche son chemin, c'est-à-dire qu'il y a cette histoire d'un coup absolument idiote euh, qui pourrait amener à ça euh, parce que finalement, c'est la seule question sur laquelle Macron pourrait espérer mettre tout le monde d'accord, vu qu'en France, tout le monde est d'accord sur ce compromis, encore une fois, notamment pour les raisons que j'ai dit, tout le monde sent que c'est un compromis qui est relativement acceptable, euh, les sociétés humaines étant ce qu'elles sont. Euh, donc, possibilité que ça arrive. Maintenant, petite euh, subtilité constitutionnelle. Quand je ne m'étais pas senti, mais ça rejoint ce que je disais dans le président absolu, sur le fait que le, le, le Parlement ne peut pas décider tout seul et, et voter tout seul, parce qu'en fait, le Parlement n'a pas le droit de se proposer à la fois euh, une modification constitutionnelle et de la voter en Congrès. Le texte prévoit que c'est dans ce cas-là, c'est forcément un référendum. Si c'est le Parlement qui propose une réforme constitutionnelle. L'adoption finale, ça sera par référendum. Ce n'est que si c'est le gouvernement ou le président de la République qui propose une réforme constitutionnelle, qu'elle pourra être adoptée par le Congrès. D'accord euh, Par le Parlement réuni en Congrès. Donc, en l'état actuel des choses, si la proposition de Berger est adoptée, ce qui prendrait minimum une dizaine de semaines, euh, plus les congés, etc., donc ça amène au mois de septembre-octobre pile au moment où il risque d'y avoir une éruption sociale, en tout cas un début d'éruption sociale, en tout cas où on verra l'inflation monter dans les tours, c est, c est, ça serait des circonstances idéales, pour une, en tout cas à mon sens, pour une réunion du Congrès qui fasse sauter le régime. Euh, mais, euh, mais si c'est sur la proposition comme ça, c'est un référendum qu'aura l'automne, ce n'est pas un Congrès. Euh, donc la question, est-ce que... Alors, il y aurait une autre possibilité. C'est euh, et je pense que ça va être le cas parce que je pense que le gouvernement il va s'apercevoir du problème. Je m'explique. En l'état, si ça voudrait dire référendum, un référendum sur la question de l'avortement, ça veut dire que vous allez pendant des semaines demander aux gens de débattre sur la question, en fait. Or, qui a envie d'avoir un débat sur l'avortement maintenant est-ce que les gens qui sont pro-avortement ont vraiment envie de donner la parole à ceux qui sont anti de partir dans un débat clivant comme ça est-ce qu'on a envie d'un truc qui fout la merde comme ça dans les circonstances actuelles pour déboucher sur un référendum ça me paraît peu plausible et j'ai déjà entendu des, des journalistes ce matin notamment Renaud Dely sur France Info qui s'inquiétaient de ça, ils disaient ouais, si on commence à en débattre, est-ce qu'on a vraiment envie voilà, d'importer vraiment le débat finalement même dans le terme américain ici en France alors que la question se pose ce n'est pas forcément dans l'intérêt d'eux. Donc, soit le gouvernement s'entête là-dedans, et bon, ça, ça, on verra ce que ça donne, soit euh, il se rend compte du problème, euh, du problème, j'ai envie de dire, euh, procédural, et à ce moment-là, il n'est pas du tout impossible que finalement le gouvernement lui-même reprenne en son compte le truc, dise au à Aurore berger, tu ranges ton machin, et fasse lui-même un projet de loi euh, sur le sujet pour pouvoir ensuite le faire adopter par les charmes, Ce qui sera, à mon avis, plus dans l'intérêt en plus tactique que cherche que peut chercher Emmanuel Macron, puisque Macron, semble-t-il, depuis le début, lui, ce qu'il veut, c'est une espèce d'union sacrée pour se retrouver une majorité, en fait, et continuer à être président absolu. Parce que là, on sent qu'il tâtonne, qu'il est un peu perdu, il ne sait pas quoi faire pendant cinq ans, terrible. Parce que même une dissolution, il peut vraisemblable qu'elle lui amènerait une majorité. Donc... Donc, euh, donc, si, 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 si c'est modifié comme ça et qu'on va effectivement vers un congrès, à mon avis, euh, ben, je vois tellement, ça serait tellement attendu quoi, que je, je verrais ça bien comme le signal d'explosion de, du truc. Donc, la grande question, ce qu'il va falloir surveiller euh, maintenant, parce que je pense que leur projet, à mon avis, ils vont pas le laisser tomber, parce que tout le monde a tellement l'air de dire que c'est trop bien que le laisser tomber là, ce serait possible, hein, mais ce serait curieux. Donc, à mon avis, ils vont insister. Et donc, ce qu'il faut surveiller, c'est de voir si le, le, euh, le, le, le gouvernement se ressaisit du truc pour en faire un projet. À ce moment-là, ça sera un signal fort, à mon avis, et on pourra se dire que c'est bon, on va avoir un congrès, ça va péter. Euh, si euh, finalement, ça reste sur la proposition du Parlement que c'est voté, à ce moment-là, des suites de ça, on aura un référendum. Je ne sais pas encore trop quelles conséquences ça aura, mais à mon avis, ça, ça éloignera un petit peu le. L'effet le, le, révolutionnaire dans, dans l'immédiat. Donc, ça peut le reporter un petit peu. Mais je ne suis pas sûr. Hein, ça, peut, ça peut avoir d'autres effets que je n'arrive pas encore à imaginer. Mais voilà. Donc, voilà quelles étaient les considérations diverses et variées que je voulais euh, avoir sur ce, sur ce sujet. Mais on va peut-être passer aux questions parce que est... j'ai assez parlé. Oui. Excuse, je, je m'amusais sur Photoshop. Ah. On s'amuse comme on peut hein, dans, ces, dans ces soirs. Alors, question de Sulevendi. Le régionalisme et une décentralisation du pouvoir économique seraient-ils une des solutions pour contrer le pouvoir absolu et la crise de la représentativité Alors, non, je ne crois pas parce que je, je l'ai déjà dit euh, quand j'avais fait ma vidéo sur la seconde loi de l'histoire. Tant que vous maintenez le président absolu en place. Toutes les, tout ce genre de, 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 de réformes ne fera qu'accentuer la puissance du, du président. C'est le cas de la loi de différenciation, dont j'ai déjà parlé, euh, qui, euh, qui permet d'utiliser justement les différences régionales et ces trucs-là pour récompenser les uns et punir les autres. Donc je ne pense pas que tant qu'on n'a pas changé le cadre général, et supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel, ou en tout cas euh, diminuer drastiquement ses pouvoirs, tout ce genre de, de, de sub euh, ne feront que, que renforcer encore plus le pouvoir du président. Ça se jouera à son avantage. Sullivan dit encore « Un pays peut-il perdurer sous la longue durée, sans religion, sans sacré et sacral sans totem et tabou, selon Tocqueville, non. Ben je crois qu'il n'y a jamais de pays qui n'ait pas de sacré sacral et qui. Euh... On, le, on remplace simplement les religiosités par les, une forme de religiosité par une autre forme de religiosité. Euh, vous avez des gens euh, qui sont devenus athées et dont la religion est devenue la République. Ensuite, la religion, c'est devenu l'international et le marxisme. Et puis, leur religion, ensuite, c'est devenu l'écologisme. Euh, depuis qu'on a laissé tomber, le, le, enfin, qu'on tomber que les sociétés sont déchristianisées, je n'ai pas l'impression qu se euh, qu'elles qu aient tourné le dos à la religion. Les gens euh, athées raisonneurs euh, qui sont convaincus dans leur athéisme euh, et qui s'écartent euh, effectivement de toute superstition et de toute pensée religieuse sont très très rares. Euh, C'est une toute petite partie d'élite intellectuelle et qui concerne d'ailleurs probablement les mêmes personnes qui, étaient, qui pouvaient être des croyants, mais des élites intellectuelles des croyants pendant des, des années. Hein. Encore une fois, je ne sais pas si vous prenez un personnage comme saint Thomas d'Aquin euh, au XIIIe siècle. Un type avec avec l'intelligence, la, la connaissance, la capacité de raisonnement de saint Thomas d'Aquin au XXe euh, siècle, c'était probablement un athée, un grand scientifique et quelqu'un qui, euh, mais parce qu'il raisonnait dans un autre cadre hein, simplement. Euh, mais parce qu'à la base, saint Thomas d'Aquin lui-même n'était pas un superstitieux. Vous voyez ce que je veux dire euh, le, La population superstitieuse reste superstitieuse. Elle change juste superstition. Et, euh, et quant à la, la population intellectuelle, elle a de toute façon des croyances intellectuelles. Elle peut en changer aussi, mais ça reste une autre façon d'avoir un système de croyances que, que le niveau de superstition. Donc je ne suis pas sûr que le, le, la disparition de la religion. Enfin, à mon avis, c'est un non-phénomène. Euh, voilà. L'expat québécois. L'invalidation de Roe euh, versus Wade est-il un combat d'arrière-garde culturel ou au contraire une nouvelle donne liée au progrès de la médecine euh, Par exemple, aujourd'hui, on sauve les prématurés de 5 mois. C'est probablement un peu les deux. Euh, je pense qu'il y a une rencontre des deux. Euh... Et, euh... Et puis, ça peut être aussi, vous savez, euh... c'est à cette époque, -là... enfin, à cette époque cette contemporanéité, on va dire, puisque on arrive à peu près, civilisationnellement, à là où en étaient les Romains ou les Gréco-Romains au premier siècle de notre ère. Justement, c'est-à-dire ce moment où à la fois on fait, on fait moins d'enfants, où la société est très cosmopolite, où on commence à avoir des trucs justement... Euh, où les mœurs traditionnelles sont battues en brèche, où vous avez de plus en plus de l'homosexualité, euh, mais, mais au sens euh, libertine, débridée, euh, des, euh, euh, de, les mélanges des genres, le... le, 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 le pas du transsexualisme, enfin, fait. le transgenre, le fait de les travestis, etc. Euh, il suffit de lire Juvenal et Martial pour, pour le voir, et il parle beaucoup de ça. Il parle des, 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 des homosexuels qui font des simulacres de mariage, entre hommes, etc. Donc euh, tout ça, c'est à peu près ce contemporain, donc c'est la même, la même situation. Et c'est également à cette époque-là que les Romains se moquaient énormément des Juifs, parce que les Juifs refusaient l'infanticide des nouveau-nés. Parce que les juifs estimaient que la vie humaine était sacrée, euh, et donc qu'à la naissance, une fois les enfants nés, ben, on s'en occupait, et on ne les laissait pas mourir, on ne les abandonnait pas. Alors qu'à Rome, il y avait encore cette idée que vous savez, le pater familial pouvait décider s'il conservait les enfants ou s'il faisait ce qu'on appelait l'exposition, c'est-à-dire qu'en gros, il les laissait dans la rue, puis il les laissait crever comme ça. Voilà. Euh, donc il n'y avait pas d'avortement. On avortait peu pour des raisons technologiques, mais euh, on, on tuait les, les nouveaux nés euh, à Rome quand on ne voulait pas. Et, euh, et donc les Juifs, eux, s'opposaient à ça. Et donc c'était à la fois, si vous voulez, une, une, une vision qui pouvait paraître rétrograde aux Romains, parce que, euh, mais en même temps, c'était du progressisme, puisque c'était les juifs et les chrétiens, parce que les chrétiens suivaient les juifs sur ce, sur ce truc-là, ils, ils le tenaient d'eux. Et donc, euh, et ça s'est imposé avec le triomphe des idées euh, judéo-chrétiennes euh, par la suite. Donc, euh, donc est-ce qu'on n'est pas dans un truc comme ça, dans la mesure où, pour partie aussi, ce, cette évolution, elle pourrait s'appuyer sur le fait que l'Amérique est de moins en moins blanche, justement et que euh, il y a une grande partie de l'immigration qui, qui vient d'Amérique latine, qui est euh, catholique ou, euh, ou parfois évangélique aussi, euh, mais donc très religieuse, et qui en fait euh, peut avoir le même rôle dans les sociétés, euh, la société américaine d'aujourd'hui, que les juifs et les chrétiens dans la société romaine au, au premier siècle. Et donc, auquel cas, ça serait un phénomène de long terme euh, qui, euh, qui viserait à, à aller dans ce sens-là. Maintenant, euh Comment ça s'articule avec ce que j'ai dit sur cette espèce de permanence, puisque malgré tout, c'est encore une fois les sociétés d'anciens régimes dont je parlais, c'était des sociétés chrétiennes, même après, après, après 1700 ans de christianisme. Euh, c'est une, une bonne question. Vous pouvez avoir aussi une forme d'hypocrisie de, 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 qui est qu'on condamne le truc, mais que ça continue à se faire. Sous des motifs pseudo-accidentels, etc. Voilà, parce qu'encore une fois, il n'y avait pas d'infanticide. Effectivement, on ne tuait pas les enfants volontairement sous l'Ancien Régime, mais je, bon, je vous ai rappelé historiquement, euh, on les mettait dans une situation telle que le risque qu'ils euh, qu meurent était considérablement multiplié. Voilà. Donc, euh, voilà. Ok. Um... Guillaume Listrion, la solution des bordels remplis d'androïdes féminins, vous semble-t-elle une bonne solution à une possible suppression de la prostitution humaine euh, Alors, le truc, c'est que, est-ce que ça serait une suppression véritable de la prostitution Ou est-ce que ça serait. Euh... Enfin, oui, ça serait une suppression de la prostitution humaine, mais. Euh, ça serait aussi. Euh, une. Euh un problème de, de marché. Ça condamnerait une grande partie des prostituées à, à l'inactivité. Ça serait probablement une concurrence déloyale. Parce que si on imagine que les progrès de la technologie continuent, vous aurez des robots prostitués qui seront d'une qualité esthétique qui sera euh, très supérieure à celle de la femme moyenne. Euh, et donc euh, vous n'aurez finalement plus que les très belles prostituées qui pourront continuer à rivaliser. Avec, euh, avec les, 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 les. à moins qu'il y ait vraiment euh, un, un goût pour le, 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 le naturel, on va dire, mais ça pourrait avoir un incident. Euh... Donc c'est plus une question de. j'aurais plutôt une approche marché du travail là-dessus, que, que, que morale. Mais, euh, mais oui, effectivement, ça, il pourrait y avoir un effet d'éviction. Est-ce que ce serait mieux pour la condition de la femme Ça, c'est une bonne question. Quand on voit les critiques qui sont faites. Euh, par les femmes surtout, sur, vous savez, quand on voit ces vidéos de types un peu bizarres qui vivent avec leur poupée sexuelle, euh, c'est. Euh, je, je pense que c'est pas une concurrence qui leur fera tellement plaisir. L'expat québécois assiste-t-on à un nouveau clivage politique sur le statut de la personne Extrême gauche, il faut faire partie d'un projet social. La volonté des parents pour être une personne juridique. Euh... On va virer l'autre. En gros, euh, par exemple, à l'extrême gauche, il faut faire partie d'un projet social pour être une personne juridique. Euh... Je ne sais pas, c'est peut-être un peu prématuré pour conclure à ça exactement. Euh... Il faudrait que j'y réfléchisse et, euh, plus, plus, plus profondément que je ne suis capable de le faire là. Ok. Euh... L'expat québécois encore avec le débat sur l'avortement Macron risque-t-il de perdre les catholiques zombies entre guillemets expression d'Emmanuel Todd pour désigner en gros la sociologie du modem. C'est... Possible. Alors, François Bayrou ne s'est pas opposé à, à cette constitutionnalisation dans les termes d'un refus de l'IVG. Peut-être qu'il dissimule sa pensée profonde, ce qui est possible, hein, parce que c'est vrai que c'est devenu très mal vu, ne serait-ce que de dire que vous trouvez que l'avortement, ce n'est pas terrible. Euh, donc, euh, hein, puisque c'est considéré comme une micro-agression, comme une agression tout court vis-à-vis -vis des femmes qui ont avorté et que de cette sorte, vous risquez de. De Triguet. Euh, donc, euh, peut-être que c'est pour dissimuler ça. C'est vrai que lui, il a plutôt abordé ça sous l'angle qui est également de bon sens, que de toute façon, dans le champ politique aujourd'hui, euh, le, le, à peu près tout le monde estime, en tout cas une écrasante majorité de la population estime avoir trouvé un compromis acceptable, ce, que, ce dont je parlais tout à l'heure, sur l'IVG tel qu'il est fait en France et que, euh, et que, que donc il n'y a, a pas à discuter là-dessus, personne n'a envie de discuter là-dessus, c'est un faux problème, que c'est une tentative justement d'exploiter un consensus existant politique, que ça risque de péter à la gueule celui qui le fait, et bon il l'a pas dit comme ça mais je pense qu'il le sait, et, euh, et qu'il et que y avait des problèmes autrement plus urgents. Voilà. Maintenant, est-ce que ça, en plus, effectivement, tout ça vient couvrir un sentiment profond qui est qu'il n'a pas envie que ce soit constitutionnalisé parce que moralement, ça lui pose un problème Ce que je peux comprendre. Euh, C'est possible aussi. Et il est, effectivement, ça peut, ça peut plutôt les détacher de, de la macronique autre chose. Euh... Cyberpunk, le LGBTisme est-il une nouvelle religion Non, 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 ce pas une nouvelle religion. Une religion, il faut que ça ait une, une capacité plus importante à, à s'imposer. Euh, pour moi, l'écologisme tient à être une nouvelle religion. C'est-à-dire que ça tient souvent dans la façon dont les gens parlent, dans les discours, dans les discours des gens. L'écologisme, vous voyez très facilement que c'est une religion. Euh, C'est-à-dire que ça tient du panthéisme les gens parlent sans arrêt de la planète. Hein. Euh, chaque fois qu'il y a un truc qui va pas. Une, une, naturelle, euh, que ce soit euh, des séismes, que ce soit, euh, que ce soit une tornade, que ce soit euh, il fait un peu trop chaud ou à ah, tout d'un coup il a un peu trop plu, euh, on, 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 on dit que c'est parce que c'est à cause du changement climatique, mais pas juste à cause du changement climatique, c'est à cause du changement climatique anthropique, c'est-à-dire c'est notre faute, c'est parce qu'on est pêcheurs. Bon, ben ça c'est exactement comme quand vous avez un mollah iranien qui va venir vous expliquer que le tremblement de terre c'est Allah qui l'a voulu parce que parce que on a forniqué ou des trucs comme ça. C'est, je veux dire c'est exactement les mêmes ressorts euh, psychologiques. Le fait de se dire que quand il y a quelque chose qui arrive de mal, il y a une catastrophe, c'est une divinité qui est pas contente parce que vous vous avez fait quelque chose attribuer à son propre comportement d'humain la faute qui génère le malheur, ça c'est typiquement religieux comme pensée. Donc euh, les, tous les gens qui raisonnent comme ça, chaque fois, c'est même pas la peine de discuter avec quelqu'un qui vous parle comme ça, qui vient vous dire Ah oui, c'est notre faute, etc. Ah, il faut changer, sinon le climat, machin. Euh, c'est une pensée religieuse. Pour moi, ça ne mérite même pas d'écouter parce que c'est parce que comme si vous disiez euh, Ah, il m'est arrivé ça, euh, euh, ou euh, Ah, le pays va mal, c'est parce qu'on est dégénéré, qu'on va plus à l'église. C'est enfin, le même genre de. Euh, non. Euh, ouais, vois, vous voyez C'est vraiment euh, le même type de pensée. C'est de la superstition, de la pensée magique. Ok, merci. Question de Mr. Diagoras of Melos. Question, que pensez-vous de la phrase de Benjamin Franklin, « La démocratie, c'est deux loups et un agneau votant ce qu'il y aura au dîner. La liberté, c'est un agneau bien armé qui conteste le scrutin. Ben, » C'est tout à fait vrai. Maintenant, il faut se souvenir qu'il disait ça dans un contexte où on n'appelait pas « démocratie » la même chose. C'est-à-dire que euh, jusqu'à récemment, jusqu'à probablement le début du f... ouais, la fin du 19e début du 20e siècle la démocratie s'est vue comme la pure loi majoritaire et par un glissement sémantique assez curieux, la démocratie est venue désigner justement le régime équilibré dans lequel on refuse le, 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 la dictature majoritaire c'est à dire, ce que Benjamin Franklin, lui, défendait et contre ce qu'il voyait comme la démocratie, c'est-à-dire un système dans lequel le vote majoritaire effectivement sert à prendre des décisions, mais qui a tout un tas de garde-fous qui protègent l'individu du vote majoritaire, et que le vote majoritaire ne doit pas servir à opprimer l'individu. Donc en fait, le, le, la démocratie a fini par désigner l'inverse de ce qu'elle désignait à la base dans l'esprit des gens. C'est pour ça qu'il faut faire attention historiquement quand on appelle le terme et qu'il faut toujours bien le définir si vous voulez discuter avec des gens pour savoir de quoi vous parlez. Parce que, parce que ça peut changer, ça peut changer beaucoup. Dans l'idée qu'on a aujourd'hui de la démocratie, on parle de la démocratie libérale, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai recouru à ce terme, euh, la démocratie euh, parlementaire telle qu'elle fonctionne dans nos sociétés occidentales, avec liberté de la presse, liberté d'expression, euh, euh, la garantie des droits fondamentaux, les droits de l'homme, etc. Euh, alors que le régime parlementaire, justement, euh, lors de la Révolution française et de la Révolution américaine, les, euh, les penseurs politiques de l'époque l'opposaient à la démocratie. Ils disaient justement, non, il nous faut un régime représentatif, il ne faut pas la démocratie. La démocratie sera le bordel, sera l'oppression, etc. Donc, euh, donc, il faut faire attention à, il faut faire attention à ce, ce glissement de, de, de sens. Donc, je suis d'accord tout à fait avec ce que dit Benjamin Franklin, mais justement, dans l'idée de la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie, on a plutôt essayé de suivre euh, l'esprit le, le, de Benjamin Franklin. Euh, donc, on en aujourd'hui la démocratie comme un pur fait majoritaire, on ne peut pas faire à la fois ça et à la fois reprocher de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut à cause de la CEDH, etc. J'ai été très sage ce soir, Philippe. Oui. Est-ce qu'on ferait pas un petit appel aux pouces bleus quand même parce que Ah, là, mais il y a... si, mais si, si. Vas-y, ben fais-le parce qu'il t'écoute plus à toi. Bien sûr. Vous êtes, euh, ben vous êtes nombreux hein, désormais. Vous êtes toujours euh, plus de 400 en fait. Euh, ce qui nous fait très plaisir. Et, euh, mais on n'a que 128 pouces bleus, ce qui est extrêmement étonnant. Donc euh, un petit clic sur le pouce et puis euh, ça nous fera plaisir. C'est plus qu'étonnant. Bon hein. C'est plus qu'étonnant, c'est révoltant. C est, c est, oui, c'est. Tu sais que je n'ai pas ton, ton agressivité vis-à-vis -vis du public. Ah oui, t'as raison. Question de l'expat québécois. Euh, je pense que t'as un peu traité le sujet, mais je la pose quand même. Merci les pouces bleus, monde, c'est bien, Allez, on est presque à 200. Euh, Grec et romains pratiquaient abondamment l'infanticide comme méthode de régulation de la population. Mmh. Le christianisme a-t-il eu un impact culturel majeur sur le cycle AB moderne Eh bien du coup, oui, puisque euh, ça, ça, ça a mis fin à l'utilisation... Enfin, Toujours pareil, ça a mis fin à l'utilisation de l'infanticide volontaire comme ça et assumé. Euh, Est-ce que proportionnellement ça a vraiment supprimé le truc Encore une fois, je ne suis pas sûr puisqu'on a l'air d'observer à peu près toujours les mêmes proportions d'élimination. Donc, euh, euh, fondamentalement, je ne crois pas. Ça a eu un effet peut-être cosmétique. Euh, mais euh, voilà. Et le, le fait même, si vous voulez, parce que je vous parlais là, je vous disais que l'Église encourageait les gens à s'occuper des enfants et tout, mais c'est finalement quelque chose qui déjà fait les... les c'est une trajectoire qu'avaient déjà fait les Grecs. Vous savez, je cite souvent Polybe euh, qui expliquait que les gens, ils se mariaient plus, que la Grèce se dépeuplait parce que les gens se mariaient plus, et qu'ils préféraient faire un ou deux enfants, si, que si jamais ils se mariaient, ils préféraient faire un ou deux enfants pour l'élever dans le luxe et lui laisser un bel héritage. Ben, vous avez l'impression de lire la description des sociétés occidentales aujourd'hui. Euh, donc, il semble que ça corresponde à cet état de développement de la société, notamment la civilisation A et B, et qu'après, euh, et, que, et, que, et que voilà, qui sont des sociétés qui font plus d'enfants. Euh, et qui parce qu'elles veulent parce que justement elles font très attention à l'individu elles y font elles, elles, elles et donc elles le soignent donc c'est pas forcément le christianisme qui a apporté ça au XVIIIe siècle c'était peut-être plutôt l'état de d'avancement de cette de la société française à ce moment-là et de la société européenne en général. Ok euh, question de un libertarien Petite analyse rapide sur l'invasion de la Lituanie par la Russie. Alors bon, n'a pas commencé. Hein euh, simplement oui, euh, la séquence lituanienne est intéressante, elle s'amorce, ça, ça tend à montrer que on ira vers, euh, vers cette invasion des pays baltes que je pronostique depuis un moment, euh, enfin depuis toujours, comme la continuation de... Euh, qui est même la chose que j'ai envisagé en premier. Ensuite, j'avais écrit sur l'Ukraine deux ans plus tard, en 2019, en expliquant que il y aurait l'Ukraine en préalable, mais bon, des pays je l'ai toujours, euh, toujours imaginé. Euh, oui, ça va arriver, ça va arriver. Euh, alors, ce qui s'est passé en fait là dernièrement, c'est que d'abord, bon, déjà, il y a des, des vols. Euh, L'aviation les, les, russe titille les frontières lituaniennes régulièrement pour montrer qu'ils sont là. Ensuite, il y a eu cet euh, examen à la Douma d'une euh, loi euh, pour, euh, pour euh, annuler la reconnaissance de l'indépendance de la Lituanie en 1991 avec le prétexte qu'à l'époque, ça a été consenti avec l'idée qu'il euh, respecterait la minorité russophone, etc., et que donc s'il ne la respectait pas, ça valait que bon. Euh, et maintenant, donc, et donc, le, les Lituaniens qui ont été agacés par tout ça ont décidé, et notamment pour respecter les sanctions internationales, de, de mettre en, en place ce qui n'est pas un blocus total, qui est un blocus partiel de euh, c'est-à-dire en blocus pour un certain type de marchandises de l'enclave de Kaliningrad euh, et naturellement ça veut dire que déjà il n'y a pas de continuité entre le territoire russe et Kaliningrad de manière générale mais si en plus ils peuvent même pas passer par terre ça peut euh, ça pose un problème et donc d'ores et déjà donc forcément pour les Russes ça menace ce truc qui est en plus une espèce de, de porte avions euh, en Europe de l'Est où il y a des missiles c'est extrêmement militarisé euh, en plus, un coin enfoncé entre les États baltes et, euh, et la Pologne, donc le reste de l'OTAN, et c'est un truc qui permet d'interdire, en plus, une partie de la, de faire une zone d'exclusion sur une partie de la mer Baltique. Donc, euh, vraisemblablement, les Russes vont euh, intervenir. Le problème, c'est que euh, ils ont vraisemblablement pas de troupes à distraire dans ce coin-là pour l'instant, pas en tout cas en quantité suffisante. Et, euh, et puis bon, ils ne sont pas prépositionnés, donc ça, ça c'est quand même un pays de l'OTAN, donc il faut, faut se préparer deux minutes. Hein. Euh, S'ils si, si veulent attaquer, c'est une autre paire de manches. Ça veut dire en plus derrière, je veux dire, ils peuvent, pour envahir les pays baltes, j'ai toujours dit, la condition c'est d'être capable de le faire rapidement, euh, en, en submergeant les forces, avant que l'OTAN ait le temps de se mobiliser en face. De telle manière, ensuite, d'expliquer à l'OTAN bon, on a bouffé trois de vos pays, maintenant on arrête, qu'est-ce que c'est vos conditions pour la paix euh, et on les conserve. Euh, donc, euh, euh, donc, faut être capable de le faire très vite. Il hein, ne faut pas commencer à s'enfoncer un truc qui dure six mois, parce que sinon, c'est catastrophe. Euh, donc, question qu'est-ce qu'ils vont faire Puisqu'ils ne peuvent pas agir dans l'urgence, les Russes. Il faudrait quand même prendre le temps de déployer des, des gens, etc. Donc, est-ce qu'ils vont organiser une montée de tension progressive Ça me dit qu'il y a déjà eu des cyberattaques. Est-ce qu'ils vont commencer par une, une action prématurée, mais très limitée Genre une occupation d'une bande de territoire de, je sais pas, 60 par 60 euh, au sud de la Lituanie, c'est-à-dire le corridor de Suvalki, pour rétablir la continuité territoriale entre la Biélorussie, donc, euh, et par elle la Russie, et Kaliningrad, euh, c'est une bonne question, je ne sais pas encore. Euh, je, je sais qu'actuellement, les troupes russes se renforcent en Biélorussie. Euh, je sais que euh, les, les troupes biélorusses sont en plein exercice de mobilisation depuis euh, une semaine, ça doit durer jusqu'au jusqu 1er juillet, à la frontière ukrainienne. Euh, les services ukrainiens ont, ont dit qu'ils avaient eu vente d'un... Euh, d'un faux attentat, d'un attentat sous faux drapeau préparé par la Biélorussie pour justifier l'entrée en guerre contre l'Ukraine. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Est-ce que c'est les Russes qui ont fait circuler l'information pour qu'une attaque biélorusse soit crédible pour les Ukrainiens, pour obliger les Ukrainiens à maintenir des forces dans le nord, loin du front Ce qui est possible aussi, hein ça ne veut pas dire que la Biélorussie est sur le point d'entrer en guerre, surtout qu'elle n'a pas grand-chose la Biélorussie en quantité. Euh, donc ça ne ferait pas basculer le conflit, vraisemblablement, dans un sens ou dans l'autre. Donc euh, tout ça, c'est question. Ce qui est sûr, c'est que depuis trois mois, euh, l'armée biélorusse et une partie de l'appareil d'État a sans doute été purgée de tous les éléments hostiles à une entrée en guerre aux côtés de la Russie. Donc la même mise de la Russie euh, a cru dessus. Et si ça ne si donne pas de résultat en Ukraine, en, en revanche, ça, la Biélorussie pourrait effectivement participer du côté de Kaliningrad, d'ailleurs. Euh, lukashenko a lui-même déclaré que, euh, enfin semble-t-il, j'ai vu sa déclaration rapportée, que en gros le, le blocus lituanien c'était une déclaration de guerre. Donc, euh, donc la question est ouverte, je ne sais pas dans quel délai, je, je ne sais pas en fait, je continue, moi je suis toujours sur mon pronostic, hein, vous savez que euh, d'ici quelques mois, euh, ou fin de l'année, début de l'année prochaine éventuellement, euh, L'invasion des Pays-Baltes aurait lieu. Euh, je ne sais pas si ce blocus rend les choses beaucoup plus imminentes. J'ai du mal à le croire parce que euh, ça demande quand même un minimum de préparation, euh, d'accumulation de troupes si, on veut faire, si les Russes veulent faire ça dans les bonnes conditions. À moins qu'ils se lancent à l'arrache, mais bon, comme ils sont déjà occupés en Ukraine, ça paraît un peu compliqué. Ouais. Alors, euh, Mister Diagoras of Melos, l'actualité vous laisse-t-elle penser que la menace augmente sur la Lituanie Bon, ça, on en as déjà parlé, du coup. Oui, bah oui clairement. Oui. Euh, Denis G4, à partir de quand les Asiatiques connaîtront les mêmes taux d'avortement qu'en Occident je ben, — Je suis pas s... sûr qu'ils soient si éloigné que ça. — Je suis pas sûr qu'ils soit si éloigné que ça. Qu si éloigné que ça. Euh, les Chinois, euh, la politique de l'enfant unique, euh, je pense qu'elle a aussi été obtenue par ça, hein, puisqu'il y a eu beaucoup d'infanticides de petites filles, notamment. C'est ça qui a amené d'ailleurs la, la, la majorité... De, le, le fait qu'il y ait un décalage assez important entre le nombre de garçons et de femmes euh, en Chine. D'ailleurs, c'est pareil en Inde. Euh, en Inde ils ont aussi le problème mais ça c'est plutôt dû chez eux au problème de caste et de, et de, de, de systèmes de mariage qui sont encore un peu, un peu arriérés dans un certain nombre de contrées et qui reposent beaucoup sur les systèmes de dot etc donc en gros si vous avez une fille c'est ruineux quoi, parce qu'il faudra donner des quantités de pognon phénoménales en dot euh, donc, euh, donc je pense que les taux d'avortement doivent être euh, enfin D'avortement ou d'élimination des enfants d'une manière ou d'une autre doivent être assez voisins de ce qui sont, euh, ce qu sont euh, chez nous. Euh, voilà. Après, peut-être qu'une société comme la Chine est moins, moins euh, touchée par ça, dans la mesure où justement, comme vous a, quand vous avez une société qui est assez vite vieillissante et, euh, et qui risque d'aller vers le sous-peuplement, je pense que cette pulsion d'élimination des enfants doit être un petit peu amoindrie. Parce que je pense que c'est aussi lié à. Euh, il y a une, sorte de, une, une forme de régulation collective de la population qui doit, qui doit jouer. Ok, alors. Euh... Question de Salter Quels avocats admirez-vous <laughs> Je ne sais pas. Dizorny et euh, Vergès. Sinon tu peux parler des fruits. Ouais. T'aimes pas le guacamole non. Je j'aime bien le guacamole. Voilà, réponds répond guacamole. C'est ce que je ferais ah, place. J'aime bien le guacamole, oui. Sinon, euh, non, n'ai jamais eu d'admiration particulière pour Vergès. Euh, ah si, dormi. moi j'aimais beaucoup faritas Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non mais euh, non. Encore une fois, que je suis, je suis pas allé dans ce métier par passion. Moi, c'est par un concours, de circonstances. Alors, je le fais du mieux que je peux et du peu que je mieux. Comme, et je, je pense que le, le mieux que je peux, euh, c'est pas mal et c'est plutôt euh, au-dessus de la moyenne. Mais, euh, euh, mais voilà. Disons, je, je je lisais pas des biographies d'avocats à l'adolescence en me rêvant un jour euh, être commun. Donc euh, du coup du coup, j'ai du mal à répondre à cette question. Ok. Euh... Alors, question de Pierre, BRNT qu'on remercie pour son don. Quid du fait que l'ARN des vaccins ARN proviennent de fœtus avortés, est-ce que cette révélation pourrait déclencher cette révolution euh, Alors, je ne... je ne sais absolument rien de ceci. Source Je, je ne sais pas d'où vient l'information. Euh, je ne sais pas si c'est une information. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi l'ARN viendrait de fœtus avortés. Parce que l'ARN, il, il est fait pour, pour, pour être similaire à celui du, du virus. Notamment la protéine Spike, si je me souviens bien. Je ne vois pas comment on pourrait trouver l'ARN de la protéine Spike dans des fœtus avortés. Donc je ne comprends absolument pas euh, je ne comprends absolument pas cette, cette euh, ce postulat de départ. Euh, euh, voilà. Donc, euh, donc on ne fait pas de toute façon, même le cas échéant ne fait jamais de, de révolution sur les trucs techniques comme ça. ils hein. ils font des révolutions parce qu'ils ont la dalle. Hein. On accueille HMZOH, qu'on connaît bien. Mais qui est-ce euh, que ça peut être Dans euh, le niveau compagnon historien, notre non, marocain préféré. J'ai l'impression qu'il s'abonne à chaque émission. Euh... Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais en tout cas, bien. Non, mais vu... il avait peut-être pas le même niveau, mais... peut-être, je sais plus lequel c'est le premier. Euh, on remercie Claire Philippe euh, pour son don. Merci. Et il ou elle pose la question. Les taux plus élevés d'avortement sont Antilles, Mayotte, île de France, PACA. Les Français immigrés avortent plus car moins éduqués à la contraception, mais font aussi plus de bébés pour des raisons culturelles. Euh, oui, mais ça pourrait être d'ailleurs euh, parce que j'ai cru comprendre que le, les, les, euh, euh, le taux d'avortement enfin, des Noirs américains est très supérieur à celui des autres catégories de la population. Euh, donc il euh, y a effectivement hein, euh, une question... Euh, une question euh... Social et d'intégration au corps social qui, qui joue sur effectivement l'avortement. Euh, donc ça ne me, ça, ça me surprend pas euh, tellement, mais effectivement il y a aussi un problème de d'éducation. Euh, euh, le, le problème d'éducation à la contraception est, euh, est problématique. Souvent on a des témoignages de pharmaciens qui, 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 qui parlent des questions qui leur sont posées sur... Euh, sur la, la grossesse, sur, sur comment on tombe enceinte, etc. Et on se dit, mais c'est juste, juste pas possible. Quoi. Ok. Euh... Où sont les questions Ici. Question de Denis G4. Est-ce que c'est possible d'avoir un effondrement dans les trois zones importantes en même temps Europe, Extrême-Orient, Amérique du Nord. Quel impact pour la prochaine civilisation A Un euh, effondrement de quoi De la civilisation elle-même Euh, oui, parce que j'ai toujours dit que normalement il y, avait, il y avait au moins une région qui surnage. Euh, C'était l'Égypte lors de l'effondrement de la fin du XIIe siècle avant Jésus-Christ. C'était euh, l'Empire le, byzantin et on va dire le Proche-Orient euh, lors de l'effondrement euh, de l'Empire romain. Euh, je ne pense pas qu'il peut y avoir un effondrement partout en même temps. Il faudrait que tout le monde soit au même niveau et, et dans la même temporalité politique. Et vu que ce n'est pas le cas, vous avez des endroits qui sont en avance sur d'autres, ben ces endroits-là s'effondreront quand les autres commenceront à... Sinon, ils seront à leur apogée ou, ou, à, euh, ou en phase ascendante, du moins ils seront encore dans un système plus solide. Donc je ne pense pas que ce soit possible que tout s'effondre en même temps. Petite question de HMZOH, je propose qu'on finisse là-dessus. Oui Est-ce que tu es partant pour finir là-dessus Je suis partant, fils. Question à l'inflation, HMZOH demande si la bouteille de coca a augmenté. Coca zéro euh, euh, Je sais pas, j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié. Est-ce qu'ils ont diminué la quantité Parce que ça, ils nous ont fait le coup, ces enfoirés, avec les restrictions du gouvernement, là. Tu ils ont passé leur, les bouteilles de 1, 5 à 1,25 et les bouteilles de 2 litres en 75, il y a deux ans, je crois. Euh, pour maintenir le prix euh, en raison des taxes du gouvernement. Merci les enfoirés. Euh, mais euh, je ne sais, je sais pas si ça a augmenté. Euh, pas, pas, je ne me suis pas aperçu. Ok, mais bah écoute, on regardera. Mais de toute façon, nous, vu qu'on avait fait des stocks de plusieurs tonnes avant l'inflation pour les revendre, après, euh, on a fait un bon paquet de pognon. Hein. Voilà, voilà, j'ai une citerne de mazout <laughs> à l'extérieur là que j'ai reconverti <laughs> en citerne à coca. <laughs> Et on va aller livrer les restaurants tous hein. <laughs> Ça, ça fait ça. très mission GTA, tu sais. <laughs> Ne me parle ça. pas de Fabric Gaming, je sais ce que tu vas dire. Si si, il faudra en faire, il faudra en faire. mais je vous encourage je encore une fois à aller vous, vous, vous abonner à la chaîne Fabric Gaming pour que quand on en refera, ce soit tout le monde cela là. Euh, bien. Bon, mais j'espère que cette émission vous a plu. Euh, la prochaine sera probablement vendredi. Tout dépendra des disponibilités de Monsieur Portal. Euh, ou Peut-être jeudi d'ailleurs, parce que moi j'ai peut-être du monde vendredi ici. Donc... Jeudi, ça va être chaud pour moi. Enfin, je t'ai dit peut-être, on verra. Mais je te confirmerai dans la journée probablement. D'accord. Euh, bah écoute, on, on verra ça. De toute façon, on vous tiendra au courant. Et d'ici là, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, partager, euh, appelez vos amis, euh, achetez et... les livres, euh, et... faites des mots croisés, faites des sudoku. Voilà, voilà, achetez-les pour vos amis. Parlez-leur pourrait... du président absolu, parlez-leur de, de la, la révolution qui vient. On pourrait quoi On pourrait intégrer des grilles de Sudoku dans les bouquins. Oui, on pourrait. Pourquoi donc. pas le faire dans Hachetave je, je vais voir. Écoute, c'est up to you. Hein. Ah ouais, je vais, je vais Et voir. N'hésitez pas à écrire à, à Monsieur Portal si, si vous voulez avoir Hachetave dès la fin du week-end, je pense que c'est possible. Du il prochain sera... week-end C'est très il... compliqué ce week-end. <laughs> il sera ravi, ravi euh, qu'on lui dise Yaka Foucault. Toujours. Moi, j'adore je, 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 quand on me dit ça. Tout ce qui s'y apparente. Très bien. Eh bien, à la prochaine.